L'ONG 3D et la coalition des organisations de la société civile ont mis en place un service pour le suivi budgétaire du Sénégal. Objectif, amener les citoyens à s'approprier les informations relatives au budget de l'État. Salimata Aoussek et Adam Agaï. Cette initiative vise à répondre à la volonté des citoyens d'être informés sur l'usage et le fonctionnement des finances publiques. Cette coalition, c'est une plateforme d'amplification de l'accès à l'information pour les citoyens. Nous avons constaté depuis 2009 que le code de transparence de l'UOMA a été transposé au Sénégal, à travers lequel l'État s'engage à ouvrir le budget aux citoyens. Pour l'Oxfam, c'est une coalition qui vient à son heure vu le contexte politique actuel du pays. C'est pour ça que Oxfam accompagne toutes ces organisations de la société civile pour que cette réalité puisse surgir et que nous puissions faire des bons en avant dans une gestion beaucoup plus transparente, beaucoup plus efficace, plus efficiente, je dirais, du budget au Sénégal. La coalition nationale des OCS n'est pas seule, car le département de la bonne gouvernance de l'État a promis un accompagnement à long terme. Nous, notre rôle sera de faciliter ce lien entre les ministères, le ministère des Finances, le ministère sectoriel et la société civile pour que l'ensemble des informations budgétaires puissent être traitées et rendues accessibles à l'ensemble de ces organisations de la société civile. Le but recherché dans cette coalition est de faire participer les citoyens à l'élaboration, à l'exécution et au suivi budgétaire pour la promotion de la bonne gouvernance et des droits humains. Vous le savez, la nouvelle société de gestion collective doit remplacer le BSDA. Seulement, la structure ne peut démarrer ses activités qu'après la suppression du bureau.